jambe, et voilà. Hop. Donc, je suis parti il y a plus de 20 minutes là, 21 minutes, du 100 miles Sud de France. Donc, pour le moment, j'y vais tranquille, parce que il faut se ménager. Donc il fait très beau, on se meurt un peu chaud. Donc voilà, le parcours est très joli pour le moment. Tout va bien. Allez, attention, faut pas qu'elle me casse la gueule là. Hop là. Ah. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des enfants d'un club, là, qui courent avec nous, qui font les jusqu'à 10 km avec nous. Donc ils sont devant, les mecs, ils se déchirent. Je suis très bien. Pour le moment, impeccable. Allez, je vais vous laisser. A bientôt, à tout à l'heure. Et là, il est... Je sais pas quelle heure il est là. Il doit être... ouais, 10h22. Bon, tout bon, hein. J'ai bien fait. Je suis presque à... J'ai passé 4 km là déjà. Encore. Cool, hein. On est à peine là. On va pas aller trop vite non plus quand même. Regarde, pareil. Bon, j'arrive à 15h de mon ouïe. Voilà, je suis très bien parti. Et je prends mon temps. Ça sert à rien de s'envoyer. Il y en a qui partent comme des fous là. Là, je crois que ça doit être la première féminine que je vois, qui est juste devant. Et après, les mecs, tu les ramasses. On met un masque un petit peu, et puis c'est bon. C'est reparti. Ça va aller en face encore. Bonjour, monsieur dame. Faut y aller doucement, faut ménager la monture. Oui. Je connais tout ça. Les premiers seront les derniers, alors. Les derniers, les premiers. Alors, vous avez vu, vous êtes fumé, madame. Ah. Très beau, c'est de là, c'est Citadelle Mont-Louis. Et c'est une caserne militaire là. Oui, c'est militaire. Oui. Là, part, là, vous êtes dans un site militaire. Là, déjà, on est normalement, on n'a pas le droit d'y être là. Normalement, non. En temps normal. Et là, c'est une convention. Donc, tout est ok. Et en face, c'est le massif, c'est. Cobre d'Az. Cobre d'Az. Cobre d'Az. C'est magnifique. Et ce qu'on voit, c'est les premières neiges là. Ouais, c'est oui, tombé hier. Yeah. Ouais. Ok. Ok. Vraiment les premières. Ah ben, c'est magnifique. Bon, allez. Ben, je vous remercie, messieurs dames. Ah, je vous reconnais. Vous étiez aux vérifications des dossards. Et vous m'avez donné une bouteille. Voilà. Une bouteille de. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Ah, c'était un peu le bazar avec tout le truc qu'on vous donnait à droite à gauche.
Bon allez. Et là, il y a des militaires qui arrivent. C'est bon ça. Bon allez. Mais c'est super. Tout va bien là derrière, impeccable. Tu sais où on est là, hein? Au village là. Ouais. C'est non. Tu vois. Ça serait bien là. Bon allez. Salut qui t'es. Chaud là. Bon, il est 12h15. Donc 2h15 que je suis ici. Je calme mon jeu. Je m'alimente. J'ai fait 16 km. 16 km et demi. Non, ouais. Là il faut faire franchement. Parce que maintenant il commence à faire chaud. Donc on va quand même arriver au prochain ravito qui est au 21e. Pour enlever ma sous-couche pour être en t-shirt. Parce que je transpire quand même de ça. Voilà. Thank you.
sais, je suis nickel là. Je suis bien enfant. Et là, comme vous voyez, il n'y a pas de chemin là, on ne peut pas fléchir. Le chemin est difficile. On progresse quand même, mais c'est difficile, je pense. C'est beau là! Oh là que c'est beau là! Magnifique! Magnifique! C'est idyllique! Trop beau! Trop beau! Le ravitaillement, il est en bas. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Le ravitaillement en bas dans la rue. Allez.
Bon, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Après avoir fait des besoins naturels, et bien, le bonhomme va mieux. J'espère que le rail, qu'il soit tranquille. Voilà. Toujours dans la descente que j'ai utilisée là. Et là, regardez. Je crois que c'est loin ça. Je commence à la reprise là-bas. Et je repars direct. Putain, je suis bueno là. Je suis bueno. Et là, moi, j'ai 1,25 km annoncé. 1,25 km. Et je suis pile 5 heures de course. Putain, j'avance bien là. J'avance bien. Alors après, je sais pas trop où je me situe parce que sur mon plan, je pensais pas du tout que c'était à cet endroit là. Donc, ouais, je pense que c'est encore un peu difficile. Mais bon, allez, super. Ouh. Bien, 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 bien. Je suis content. Je vais mieux. Alors si Nono va mieux, c'est bon signe. Allez. Puis ouais, j'ai souffert un peu du froid ce matin et puis de la chaleur qui arrive. On est entre deux, un coup on a chaud, un coup on a froid. C'est pas évident. Donc, je me suis adapté et là ça va pas mieux. Allez, à tout à l'heure. Je viens d'en haut là. C'est pas mal hein. C'est pas mal hein. Ça pique hein, quand même. Hein. Bim. Bim. Ouais, le bim. Comment ça? Et je vais devoir monter là-bas. Allez, ça fait chaud. Je dois rappeler quelque chose à Fabien. 40 heures. Putain, c'est trop mal si je suis à 40 heures, mais putain, j'ai honte. On verra bien hein. Où ça va mener tout ça. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est le refuge de la Carança ici. Exactement. Merci. Ouais, ça. Deux, hein. Même deux, ouais. Oh, c'est joli ici. Alors, et la suite du programme, c'est quoi? C'est remonter, redescendre? Remonter un peu, redescendre, remonter. Ok, putain, ça va piquer. Bon, bon, mais voilà. À tout à l'heure. Bon. 15h51 km quasiment, je suis presque au kilomètre 30 et voilà ce que je dois gravir. C'est en face là. Et après avoir monté ce truc là de terrible, normalement ça descend
Bon, les descentes sont pas évidentes, mais ça descend. Donc, je suis bueno. Ouais, c'est impressionnant quand même. Là, je me sens tout petit et il va falloir serrer les dents. Ouais, parce que la première ascension que j'ai faite, ça s'est pas trop bien passé. Oh, j'ai peiné, truc de fou, j'arrivais à rien. Donc là, j'espère que ça va mieux se passer. Allez, je vais me concentrer et m'accrocher pour bien attaquer cette montée difficile. Voilà, allez, à bientôt. Are you listening? Damn. Une deuxième prise juste pour vous montrer la beauté des paysages. Voilà. Donc là il est 13h30, je suis au 30e km, et normalement quand je vais arriver tout en haut, ça ne serait tardé, je dois descendre. La descente sur montée où je vais retrouver un ravitaillement. Donc ça devrait faire du bien. Bon, c'est de la descente, je devrais pouvoir rejoindre ce ravitaillement aussi. Ce qui est bon signe, c'est que je pense attraper les coureurs. Après mon coup de moins bien sur la première ascension. Donc j'ai perdu voilà, bien une demi-heure sur à rien faire quoi. Après. Et bon, il y a beaucoup de monde qui sont passés. Et bon. Et ce qui est bien, c'est que je commence à rattraper, donc pour le moral c'est bon. Ça veut dire que je retrouve un rythme qui est sympa. Je suis pas trop mal. De course 30 km et je suis arrivé. J'ai plus qu'à descendre. Donc là, je vais continuer. Je vais pas compter. Ça vous dérange pas, vous... Je filme, ça vous dérange pas. C'est par là? Et là, je suis au sommet là, non? Ouais.
D'accord. Bon. Merci. C'est pas simple à la côte là. Rien n'est simple de toute façon. Rien n'est simple de toute façon. Merci. Donc là, il est 18h. Pile, tout pile. J'arrive à monter. Eh ben. C'est pas simple. Hein. C'est beau mais. Ça pique. C'est bon les gars. Ouais. Montez, ok. J'y suis. A plus. A plus. J'y suis. Fais du bien quand ça s'arrête. Hein. Ouah. Bon, allez, je vais me rester. Voilà, je viens de quitter Manté. Je viens de quitter, ça fait un petit moment déjà, mais je suis dans une la fin de l'ascension de Manté. Il y a un poteau, une antenne relais. Et il est 18h44 et là il va me rester 10-11 km pour rejoindre Vernet. Donc je me suis ravitaillé à Manté, j'ai tout fait, tout ce que je devais faire je l'ai fait, je me suis même j'ai même pris ma veste parce que il commence à faire froid. Dès que je sens que la nuit est là et que je ne peux plus progresser, hop, je prends les lampes au cas où. J'ai tout vous prévu. Et donc là, objectif, Vernet. À 20h30. À 20h30 ça serait bien, peut-être même un peu après, mais autour des 20h30 ça serait pas mal. Je serais plus de quoi dans mes prévisions. Donc ça serait bon. Et vu que normalement j'ai tout fait à monter, je fais normalement un simple ravitaillement express. Je prépare pour la nuit, j'ai juste mon pantalon pour la nuit. Voilà. Et je ne traite pas quoi en fait. Et là, si c'est bon, je devrais revenir cet après-midi. Il faut que je la course est encore tout début. Là, mais Fabien et Jérémy ont dû partir. Là, ils sont partis à 17h30, donc là, voilà, ça fait 1h45 qu'ils sont dans le truc. Voilà. Moi, je suis bon, j'arrive en haut du truc. Je sais pas si c'est un truc qui salut. Ça va, c'est top. Bon. Dernière vidéo parce que là, comme vous voyez, ça va faire mieux. Donc j'ai appelé Virginie, tout va bien. J'ai passé une bonne journée, évidemment. Il a juste de l'appeler. Voilà. Donc, et moi je me retrouve. Il est 19h48. Et je suis
faire allez, 7 km de Vernet. Donc voilà. Je voulais arriver à Vernet avant la nuit. Bon, ça se trouve, c'est le cas, mais bon, il fait toujours vraiment un tomber, c'est pour ça que j'ai mis la lumière, c'est que je trouve quand même trop dangereux de courir. Voilà. Et je sais pas si on va être parti poser, sans lumière, je dois pas. Bon, et voilà, si vous voyez bien, je suis au. Alors, ça fait 9h49 de course. Et je suis au 44e kilomètre. Bueno! C'est bueno. Allez. Bisous tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit Virginie. Bonne nuit mes poulets. Mes deux petits garçons. Ils vont faire le gros dodo. Je les ai mis. Ils m'ont fait un petit coucou sympa. Donc voilà. Et maintenant, c'est. Une autre facette de la course, c'est la course vraiment la solitaire. Ça fait un petit moment que je suis seul. Voilà, et c'est la nuit, donc là il faut se concentrer et vraiment rentrer dans cette vide pour passer. C'est un moment que j'aime bien, mais c'est un moment délicat quand même. Allez, à bientôt. Sur Tech. Donc, ouais, là ça commence à être dur. Très très dur. Mais ça va quand même. J'accroche. Allez, salut. Donc là, je suis sur. La descente finale sur Arles sur Tech. Lieu de la base de vie numéro 2. Donc faut que je m'accroche. Tout est bon. Pour le moment, tout va bien. Je vais faire ce qu'il faut au ravito. J'ai un petit début d'ampoule là. Ça va, ça ne me gêne pas pour courir, mais je me sens un peu, c'est gênant quand même. C'est pas très agréable. Donc voilà. Alors, sur Tech est en contrebas. Donc là, ça descend. Allez, à tout de suite. Je suis en train de monter ce qu'ils appellent le Roc de France. Donc là, j'ai 8,5 km d'ascension pour presque 950 mètres de dénivelé. Il me reste 65 km. Faut arriver au bout. Il est 13h24. Donc c'est confirmé, j'y arriverai dans la nuit. Je suis dans les clous pour essayer de faire 39h.
39h pour faire l'ultra en 39h autour des 39h. Alors j'ai pas de réseau, donc je peux pas appeler ma chérie et mes petits. SMS, ils se sont bien amusés. C'était à la plage hier, les coqs. Bon, je vous serre les dents. Que ça allait être dur. C'est vraiment dur. Bon, je suis pas mécontent, je gère plutôt bien. Même si au fil de la course, j'ai perdu un peu de temps sur mes prévisions, mais bon, je m'étais fait plusieurs scénarios. J'ai tenu, disons là, au tout début, mais bon, j'ai vite arrêté ma prévision sur 31h30. Après, j'étais sur les prévisions de 33, je suis passé à 35, et maintenant je suis à 39. Voilà. C'est juste un repère en fait, pour voir à quelle heure à peu près. À quelle heure j'arrive à tel endroit, quoi. Alors après, au dernier point de contrôle là, c'était un ravitaillement aussi. Les mecs, ils ont dit, ben les gars, vous faites le plein ici, quoi, en eau, parce que là-haut, il y a que dalle. Donc là, je suis chargé en eau. J'ai un litre 5 là sur moi et je me tape une putain de côte. Après, en haut, je descends sur la dernière base de vie, le Pertus, qui était annoncé un peu plus bas, donc à 15 km. Donc vu le temps que je vais mettre à monter, j'en ai bien pour 4 heures. J'en ai pour 4 heures. Plus la descente, visiblement qui va pas être simple. Ça va être 17 au mieux. Sinon 18 heures au pire. C'est pas plus mal. Comme ça, je pourrais m'habiller pour la nuit. Et au Pertus, il me restera 35 km. 35 km. Ah, ça va être chaud. Ça va être très très dur. J'ai jamais fait ça aussi très vite. Donc là, en termes de chrono, j'ai jamais fait au fil. Là, je suis à 27h30
que je pense. En distance, j'arrive à 65. Autour de 100. Problème, je sais pas combien. Tourne à la banane. Petite grenade. Je vais te faire un des micros aussi. Et sinon, bloquer le silence quand je cours. Il y en a. Il y en a. Et le top du top. Voilà, du top. Il n'y en a pas partout. J'ai mis sur deux directs. Top. Voilà. Mais non, c'est un petit peu avec beaucoup de trop bon. Trop bon. Ah, mais bon. Allez. Bon courage. Bon courage, Mono. Tu tiens le bon bout. Je suis à 65 km du but. Un peu moins maintenant. Au Pertus, putain, il m'en restera 35 quoi. Allez. Après, en termes de classement, je sais pas. Je suis passé de 200 à 180. Ça, c'est les dernières infos que j'avais eues. Mais il y a un petit moment de ça. Et les gars, ils peuvent pas me dire. Tous ceux que j'ai demandé à tout le monde à chaque fois, mais bon, en tout cas, j'ai pas perdu de place à chaque fois. Je remonte à chaque fois sur des gars, donc je vais être aller autour de la 170e, je pense. Allez, bisous. Donc j'arrive, je suis en plein dans l'ascension là, du Roc de France, et visiblement c'est le massif qu'on voit. Il y a un édifice en ruine au sommet. Putain, ça pique. Et là, c'est quand même beau. Hein. Voilà, c'est là-haut. Je dois aller là-haut et après descendre au Pertus.
Putain, si j'arrive avant 15h, j'aurais fait une sacrée ascension. Allez. Salut. Voilà, on le voit bien là. On le voit bien. C'est sympa, c'est joli. Allez, à bientôt. Là, mais c'est l'enfer, c'est l'enfer, l'enfer. Je me suis dépouillé, mais comme jamais quoi. Voilà, faut en aller là-bas. On est où là quand même? Allez, salut. Bon, il est 19h17 et j'arrive au Pertus. Je suis content. Allez. Réveille-moi parce que je tremble. Ouh! Je crois que j'y arrive là. Là, le ravitaillement. Merci. Souvenir. Ah ouais, là. Quelle heure? 4h30. Quelle, ouais. C'est 5h-10. Ouais, c'est bon. On commence à en croire. Il va arriver quand même. Ah, quand il est arrivé, ça va mieux. Hein. Ils commencent à avoir l'habitude quand ils me voient habillé, hein. Tout ça. Voilà. Merci, bien allez partager en famille. Merci, merci. Ce moment de repos et de récup. Merci. Normalement, ouais.